comme ça. En fait, je viens de me rendre compte. J'étais en contrôle 1. Oh là là là. J'ai honte. J'ai honte. J'ai très honte. Je crois que je vais le couper en montage direct. Je crois que ça va être direct. Après, je sais pas s'ils étaient déjà en contrôle 2, mais ça m'étonnerait. Je doute fort. Hop, hop. J'allais pas trop vite, je pouvais large le prendre le virage. J'ai un peu honte hein, j'étais en pleine vidéo en contrôle 1. J'ai pas l'habitude de mettre le contrôle 2 maintenant, c'est du lit. C'est vrai que je pense hein. Que je pense souvent à dire, tiens, je suis en contrôle 1, faut que je me mette en contrôle 2. Et ça d'habitude, je crois que je m'en rappelle plus très bien à chaque fois. Donc à mon avis, ça va être coupé au montage. Donc je dirai quand même salut, c'est Pixel. Voilà, j'ai fait un montage parce que j'ai oublié de mettre mon contrôle 1 en contrôle 2. Voilà. Donc ça sera plus, c'est efficace. On passe au jeu sérieux en quelques courses. Mais bon, le montage je le mettrai direct à la course celle-là. Comme ça on pourra aller se chercher la petite Legend. La 6004. Hop, on a passé le cap de deuxième tour. Magnifique. Super, magnifique. On se rapproche. Voilà, nickel. Si on se met en ligne droite ici. Oh là là. Oh, ah oui, c'est un peu risqué ce que je vais faire. C'est un peu risqué, je pense que j'étais mieux dans le trou. Parce qu'en fait, en se mettant sur cette route là, on est carrément calé sur l'opposé de là où je veux être. Et en fait, on a le risque de prendre mal notre virage et perdre un gain de temps assez précieux. Donc à mon avis, ouais, il va falloir que je fasse gaffe. Regardez. Ouais, il faudra que je pense à freiner. Et je me prends les murs en plastique, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Et hop. Super. Approche de la fin de toute façon. Oh là là. Ça me gêne dans les poumons, ça m'énerve ça. Quand on a de la bière, quand il fait froid. Wow. On a sauté. Attention. Voilà. Oh. Ça a l'air d'avoir rasé le plastique. Les plots en plastique là. Et ça c'était cool ça. Ça par contre c'était du génie ça. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était une Audi. Oh, M346 là-bas. M3. Ah non, M4 ou M3. Mais ça m'a l'air d'être une M3. Parce que là, c'est pas une M3 ou E46 là-bas. C'était une M3 ou 92 ou une M3 tout simplement. Oh la force! Ça c'est de la bonne. Ouf. Je sais pas ce que je me suis pris. Hop. Et on...
Wow, mais j'ai rattrapé. C'était sensationnel. C'était quoi cette tuerie? Oh my god. Ça c'était une tuerie ça. Pétain de merde. Ouais. Avec une M3 on s'y fait hein. Après c'est dommage, j'aurais bien aimé jouer en ligne. Quand même. Jouer en ligne avec d'autres joueurs. Allez, allons chercher la petite missile à go. Et on va se la faire tranquillement, la tester. On mettra un sur vidéo. C'est dommage qu'elle doit être aussi courte là. Bon, on peut la tester et faire une course avec. Il faudrait qu'on ait assez de sous pour l'améliorer, mais elle doit avoir assez de performances assez faisables. Parce que c'est quand même une Lamborghini, hein. C'est pas de la merde. Hein. C'est pas une Honda Civic, mais bon. Ah pas une Honda Civic, c'est bien aussi, hein, comme bagnole. Oh là là, à la vitesse qu'on arrive, presque 400 km/h. Hein. Allons, concessionnaire, on est à 400 et quelques, ouais, 448. Oh là là, my god. Et hop les. Ça, c'était magnifique. Que dire de plus? Allons chercher cette Huracan. Cette Musilago. Et yelle. Allez, voyons voir. Entre 305. 335. Sérieux les mecs, vous touchez la mouille. Come on. Bon, allez où? Là voilà. La petite Musilago. Allons la conduire. En plus, une 2010. Donc. Voyons voir ce qu'elle a. Je crois que c'est le bon moteur en plus. Oh là là. C'est ça. C'est notre fameuse Musilago. Après, elle est pas totalement puissante. Je sais pas combien on a sur nous. 112, ouais. C'est assez mitigé. Allez, allons la faire, ces petites coquilles. On va la préparer. La mettre à sa couleur. Alors, tac. Allez. C'est sûr, c'est une belle caisse. Ah, c'est quand même des super plus. C'est dommage, c'est pas des élites. Mais c'est faisable. Tu vois, on pouvait mettre large ça. Pour atteindre les 300. Là, le mieux, c'est ça. Double turbo. Oh, je mets ça direct. Hein. Si ça peut aider. Alors, c'est parti. On va préparer notre petite bagnole. Évidemment, on va préparer la petite carrosserie. Il faut que je m'en souvienne comment elle était. Mais il me semble qu'elle avait... Voilà, ça. C'est des lames. Le pare-choc, c'était ça. C'était vraiment le... Alors, les feux, c'était des violets ou des bleus. Des violets pleins, je crois. Faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Des violets pleins comme ça. Hop, avec des splinters. On peut mettre des carbones comme ça. Ah, double splinter. Hop, pourquoi pas, c'est mieux aussi. Capot. Non, je garde la couleur comme ça. Aile, des ailes plus masse, plus mastic, c'est mieux. Rétroviseur, alors, je cherche. J'aime bien comme ça, moi. Le petit rétroviseur carré. Tac, ok. Avec des ailes un peu plus larges ici. Avec des ailes ici, plus larges, bien évidemment. C'est le but. Avec des feux, bien évidemment, plus sombres. Tac. Pare-choc. Bon, alors là, vous connaissez la chanson. On change pas une équipe qui gagne. Tac. On change. On le met en Rock Power. Parce que c'est ma ville préférée de Need for Speed. Hop. On met avec le petit Need for Speed et Ghost. Là, en haut. Tac. Et on écrit la C0904. Alors par contre, je crois que c'est... Attends. La C0904. Alors tac tac tac. Comment je fais pour accepter faire vombrer le moteur? Non. Voilà, c'est fait. Parfait. C0904.
Yeah. Oh là là, elle est magnifique. Par contre, le spoiler... Alors, le coffre, on peut le mettre comme ça, pas de problème. Et le spoiler, par contre, non, c'est un spoiler plus large. Je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça, je m'en souviens encore. Oh là là, je la retrouve, ma jolie. Oh, le pot d'échappement, par contre, non. Il me semble que c'était ça. Eh ouais. Avec... Oh, les diffuseurs, on peut pas. Chier. Fait chier. Merde, tant pis. C'est pas grave, on aura essayé. Ok. Ensuite, la petite peinture. On met un bleu qui est ici. Voilà. Parfait. On peut la faire une finition. On peut la mettre métallisée, pourquoi pas. Elle est bien métallisée. Regardez les changements. Non. Retour. Vinyle. N'oublie pas les vinyles. Alors, sur les côtés. Tac. On fait ajouter un vinyle. Tac, 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 tac. Alors, il faut que je trouve des chiffres. Il me semble que c'est pas là. Ah, on peut écrire quelque chose. Hop. 1999. Pour ceux qui connaissent, faut être. Voilà. Faut être méconnaissable. Tac. On fait accepter. Et là, grâce à ça, on peut le. Alors, sur une du signé. Autre couleur. On peut lui rajouter une couleur, mais ça ne sert à rien. Angle. Z. Oh, on peut l'agrandir. Super. Retourner avec QD. Ah, d'accord. Waouh. Ah, non, merci. Ça m'intéresse pas. Voilà. Angle. Ah, super. Magnifique. C'est ce qu'on voulait. Le faire grossir, avoir un angle. Tac. Le mettre à peu près. Bon, pourquoi pas comme ça. Attends. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ça reste potable. Alors, plus de commandes. On peut peut-être mettre une autre couleur. Non. En noir, ça fait moche. Je préfère garder en blanc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Transparence. Non, ça m'intéresse pas. Tac, tac, tac. Confirmé, ok. Est-ce que on peut, par exemple, le copier-coller? Alors, avec contrôle, on peut voir rétablir vinyle, copier vinyle. Alors, tac, copier vinyle. Voilà, super. On peut le mettre de l'autre côté ou il faut vraiment le déplacer. Je sais pas si on peut le déplacer de l'autre côté. Ça m'étonnerait. Là, je l'ai en haut. Si je fais en bas, à mon avis, c'est mort. C'est mort, les mecs. Ouais, c'est mort. Je peux pas le mettre deux fois comme ça. Donc, ce qui veut dire que, voilà, ça me va comme ça. Ok. Dès que c'est fait, tac, on va mettre... Alors, je sais pas si on peut le recopier de l'autre côté. Ça aurait été largement plus simple. On peut faire ça, normalement. Copier autre côté. Voilà. Super. Et regardez, là, il est du même côté. Ça fait plaisir. Tac. Là, ce qu'on peut faire, du coup, bah, c'est faire la même chose. Sauf que on va le mettre en plus petit. On va, par contre, voilà, 0904. Tac, on accepte. Tac, voilà. Vu que c'est plus petit, on le met sur l'aile. En plus gros, bien évidemment, parce que ça va être à l'arrière. Avec un meilleur angle, par contre, un peu moins gros, avec un meilleur angle, voilà. Tac, on rajoute une couleur. Et c'est du rosé violet limite. On va voir ce que ça donne comme ça. Super, magnifique. Ça se voit bien. Tac, ok. Maintenant que ça c'est fait. Oh merde. Oh putain. Commande. Fait chier. Accepté. On recommence. Tac, voilà. Oh là 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 là. Elle va être magnifique cette bagnole. Voilà. Alors par contre, tac tac, on rabaisse un peu la dimension. Oh là là, magnifique. Tac. Ok, super. Tac, on fait accepter. Copier de l'autre côté, bien évidemment. Parce que hein, c'est un mobile, j'aime bien que ce soit pareil de l'autre côté. Bon, 0904, pareil, c'est bien, c'est propre. Ensuite, sur les vitres, on va mettre quelques sponsors. Enfin, ok. Hein. Ah ouais, pourquoi pas, il faut toujours quelques sponsors, hein, c'est mieux. Tac, tac, tac. Alors, des sponsors, en veux-tu, en voilà. Il y a les sponsors comme ça. J'aime bien les sponsors colorés. Normalement, on retrouve de bons sponsors. Tiens, GarageD, pourquoi pas, tac.
On va un petit peu le rabaisser, voilà, avec un angle plus droit, comme ça, voilà, bien droit comme ça, parfait, tac. On peut le mettre comme ça, parfait, nickel, hop, on rajoute un autre, Destroy Engine, tac, pourquoi pas, comme ça, tac. On en met un peu partout, hein. Banned, vu que c'est vachement petit, on peut pas trop non plus. Tiens, regarde, on peut rabaisser un petit peu, en mettant tout petit ici, pourquoi pas, hop. Plus droit, hop, voilà, nickel, banned, hop, maintenant que ça c'est fait, on les recopie de l'autre côté, copier de l'autre côté, copier de l'autre côté, copier de l'autre côté, nickel, ça passe crème, on n'aura pas besoin de le faire derrière, enfin devant, de l'autre côté, pardon. Hop, et là on va mettre des sponsors en noir et blanc, c'est mieux, je vais mettre des zergs parce que c'est mon préféré, hop, on rabaisse un petit peu, voilà, et on fait normalement c'est CTRL C, hop, tac, pour copier. Et voilà, ça c'est beau. Vous voyez, ça c'est du truc que j'aime bien. Zerg, hop. On peut mettre quelque chose en haut aussi, mais ça sert trop à rien, c'est pas pour grand chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah bah je sais. On peut remettre quelque chose face à la portière ou au capot. Au capot et à la portière. Ah, on peut pas faire au capot? Ah merde, c'est con. Sur le toit. Sur le toit. Sur le toit, on peut le faire. Ce que j'avais envie de faire. Tac, 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 tac. Nickel. Tac. On fait en haut. MC. Voilà. Tac. Alors. Ah, oh, bah oui, on peut le faire sur le capot. Nickel. Cool. Super. Hop. En gros, comme ça. Tac. Avec une couleur violet. On fait CTRL C, on le copie là-bas. par contre, lui, je vais le retourner. Je vais le retourner. Comment je fais? Voilà, super, c'est ce que je voulais. Tac, comme ça, nickel. Tac, voilà, on se met sur le côté. On réécrit la même chose. Tac, nickel. Tac, en gros, comme ça. Tac, un peu anglais. Oh là là, magnifique. Magnifique ça. Super. CTRL C. Ah non, pas CTRL C. On fait direct OK. Copier de l'autre côté. Nickel. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est vraiment la légende que je. Ah, j'en tombe amoureux encore. C'est trop stylé. Ah, super. Ça me fait plaisir, ça, par contre. Tu vois, ça, c'est beau. Ça me plaît. C'est généreux. Rien à dire. Là. Allez, à son style, je valide. Hop, voilà. Nickel. Dans la bibliothèque MC. Très bien. Franchement, ça me fait plaisir. On peut lui rajouter quelques couleurs. Vu qu'elle est à son thème. Oh, par contre, ça coûte carrément cher, ça. Oh la vache. Oh my god. Mais ouais. C'est super cher. Oh la vache. Le turquoise. Allez, hop, direct. Oh, putain de merde! J'espère que j'en ai assez, mais à mon avis, pas. Oh, si, j'en ai assez pour le turbo! J'ai eu peur! Tac! Ok, cool! Nickel, nickel. Par contre, je dois avoir peut-être des trucs en stock qui me servent à rien. Non? Oh, voilà. Il n'y a pas d'autres. Merde! C'est un peu con, ça. Oh, par contre, ça, alors, est-ce que ça va être efficace? Non, ça va plus se rabaisser qu'autre chose. Merde. Ça coûte 10 000 à tout casser, des bons freins, pourquoi pas. On a d'autres pneus, non? Ah, merde. Ah, vous voyez, regarde, ça m'aurait fait augmenter la valeur. Et ça encore, ça m'aurait fait augmenter la valeur. Et ça aussi, putain, ça m'aurait fait augmenter la valeur. Ça m'aurait fait augmenter énormément la valeur de la bagnole. Bon, c'est pas grave. Pourquoi pas, autant tester ça. Sur une course, hein, testons-la. Je suis preneur pour la tester. Tac, allez, voyons voir. Ce qu'elle a dans le ventre, la petite légende C09 04. C'est parti, voyons voir. Oh lolo, elle a une accélération assez. Ça va, bah si vite! Ah bah si vite, c'est correct! Ça fait plaisir de la retrouver.
Elle a un bon drift, c'est bien ça. C'est bien, elle a une bonne vitesse. J'aime bien, j'apprécie. On va se faire au moins minimum 2 courses là-dessus. Ouh, elle a du mal à déraper un peu dans les virages là. Dans les gros virages. Donc à mon avis, va falloir que je lui mette des pneus normales mais plus adaptés, donc en élite. Comme ça, elle tiendra mieux la route. Regardez, là, elle tient pas la route du tout. Et elle se prend des bagnoles dans la gueule. Donc c'est pas la peine. Oh, ça fait plaisir de la reconduire. Ça, c'est une caisse. Oh là 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 là. Et puis ce turbo, il t'explose aux oreilles. Regardez, là, on est à 34-40. J'ai pas envie que ma bagnole se fasse dépasser, mais à mon avis, on peut large les vaincre. Par contre, les roues, il me semble que c'était pas ça comme roue. Mais c'est pas grave. On changera plus tard. Je changerai plus tard les roues. Là, c'est juste la carrosserie qui m'intéressait. Même les pneus, je changerai plus tard. D'accord, le mec m'a carrément désactivé le micro. Bien. Ça va, on est presque à la même vitesse que... Ouf. Oh, tiens, encore une Musilago là-bas. Ça doit être... Nakura, ça. Ça me fait penser à la Jester, en plus. Ça me fait beaucoup penser à la Jester dans GTA. Après, la Jester, c'est plus Toyota, en fait. Parce que la Jester classique, c'est une Supra, en fait. Donc, c'est plus ce Supra. C'est plus Toyota. Ça va, ça passe. Eh, elle a une bonne accélération, par contre. Elle a une bonne accélération. Ça fait plaisir. Oh là là, la bagnole, elle est magnifique. Même si on voit, elle a pas trop de détails non plus, je trouve que j'apprécie ce qu'elle a quand même. Ça j'apprécie. Pour quand même du 230 km/h, on arrive à faire le taf hein, quand même. On y arrive. Ça c'est bien. Regardez. Hop, je suis obligé de faire un frein à main. Normalement, elle a pas ce turbo là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime bien ce style de turbo. Ce biturbo sur cette bagnole là, ça me suffit. Mais sur la Huracan, je mettrai vraiment la ultimate là. C'est vraiment celle que je préfère le plus. Hein. Même sur la Nissan 350Z, sur ma Nissan GT Turbo, enfin, c'est le nom que je lui ai donné quand j'étais sur le téléphone. Voilà. Oh bien, je regarde pas la route, je regarde le téléphone. Shit. Oh là 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 là, cette fumée bleue et tout, rien à dire. Oh là là. Ce son là, putain. Ça c'est un son de bagnole. Oh là 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 là. Hop là. Elle est pas à son potentiel maximum et c'est con. Parce que j'ai pas encore tous les trucs qu'il faut et c'est un peu con quoi. Donc voilà. Oh lolo. Oh, ça passe. Elle est passée. Nickel. Elle est passée crème. Ça passe. Super. Hop là. Magnifico. Ça, c'est bien ça. Oh, le turbo qui pète là. Ça, j'aime bien. Vous voyez, ces turbos détaillés, pourquoi ils font pas sur BeamNG, sur Automation, ou alors BeamNG par exemple. Et après BeamNG, il a de très bons turbos, des sons turbos, mais c'est des sons turbos assez simples. C'est pas des turbos
sur tuning et tout. Faudrait qu'il fasse vraiment. Faudrait vraiment que Automation mette en place une mise à jour sur les turbos. Avec plusieurs turbos différents. Turbo tuning, turbo sport, turbo de course. Tu vois, le turbo tuning, c'est le. Celui qui pète un câble là. C'est le awesome des turbos que je préfère le plus. Ah oh, bah oui. Même sur Hit, ils le font. Même sur Hit, ils le font. Ah, non merci. Un live TikTok de NFS. Non merci. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis déjà en vidéo. Hop, nickel. Super. On va aller au garage. Oh là 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 là. On entend la transmission aussi. Après, on entend surtout le turbo. Oh, ça a pas plu à mon bébé, ça. Oh là là, la bagnole. Ça, c'est de la caisse. Voilà. Regardez ça. Hop là, allez, allons plus vite. Oh. Vous voyez, j'en regarde trop sur le portable. Du coup, je me fais avoir. Oh, le son. Ça fait des bruits là dans les oreilles. C'est... Oh. Pas un raccourci, c'est pas grave. On pète tout. On arrive dans notre garage badass. Oh là 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 là. J'ai prévu de faire un tour. Ok. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. Allez, ce qu'on va faire déjà d'un premier temps, c'est aller changer les roues. On va changer tout ça. On va mettre des disques sport. Des disques à trous pour un mieux. Alors par contre, ouais, je mets des Hobbywood, trucs comme ça là. Ok. Les jantes. Alors, les jantes, il me semble que c'était des. Ah, je sais plus c'était quoi. Ah, je crois savoir. Des rotiformes. C'est ceux-là normalement. Avec un diamètre assez long. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Allons chercher la deuxième jante. Les rotiformes. Tac, 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 vas-y. Rotiformes. Nickel. C'est la bonne jante. Oh, par contre, non. Voilà. Ou après, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais bon, c'est pas grave. Si on se trompe, on va prendre des violes. Du bleu comme ça. Comme on avait dit. Avec une finition. C'est mieux comme ça. J'aime bien comme ça. Appliqué à toutes les jantes. Voilà, nickel. Tac, maintenant que ça c'est fait, je vais passer aux étriers. Voilà. Nickel. Au disque de frein et au pneu, parce que j'ai oublié le pneu. Tac, tac. Des Toyo Tires. Nickel, super, magnifique. Tac, tac. On va mettre les pneus pour Toyo Tires. Oh, ça, là, là voilà. Là voilà. Allez, enfin fini. Par contre, voilà, plus brutal, et avec un, voilà, je veux qu'elle soit brutale ma bagnole, je veux pas qu'elle soit du genre toute molle, je veux qu'elle soit brutale, ça c'est... Voilà, des pneus élites comme ça. Ça met un plus, mais au moins, ça sera meilleur. Et les plus... Enfin, c'est des élites normales, mais je crois qu'il n'y a pas des élites plus. Ça m'étonnerait. Non. Non. Hop, élite. Voilà, regarde, on approche, on approche. Regardez. Voilà, tac, on met différentiel piste, pourquoi pas. Et là, on pourrait améliorer ça quand vraiment on aura assez d'argent. Et là, on atteindrait le 400. On peut large atteindre le 400. On peut large atteindre le 400.
Regardez, on peut large atteindre le 400. Large. Oh, par contre, on peut se payer le litre nitro au-dessus. Ça, par contre, c'est cool. Là, par contre, j'ai plus de sous. Ouais, j'ai plus de sous. Purée. Bref, c'était une excellente vidéo, je trouve, pour ma part. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait ça. Au moins, vous voyez, au moins là, j'ai pu la faire à temps. J'ai pu... Tiens, il faudrait que je prenne une petite photo. Ouais, on part pas sans une petite photo, les gars. On part pas sans une petite photo. Attendez, attendez. Comment je fais? Alors, voilà, magnifique. Tac, 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 hop. On peut large faire ça. Tac. Est-ce qu'on peut faire un petit screenshot? Je sais pas comment faire. Comment faire un petit screenshot, là, ça? C'est sympa, ça. Attendez, attendez. Tac, tac, tac. Comment je peux faire? Comment je peux... Merde. Est-ce que je peux activer le... Non, je peux pas. Ah oui, si, je peux. Par contre... Ah merde. Ça me met contre l'accès. Alors, attends. Tac, tac. Super, nickel. Tac, voilà. Petite capture d'écran. Super, magnifique. Allez, passez. Voilà. Au moins, j'ai fait la petite capture d'écran. En espérant qu'elle ne voit pas. Capture d'écran enregistrée. Super. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Mettez plein de cloches. Mettez plein de cloches. Mettez la cloche. Voilà. Et mettez plein de commentaires si vous voulez revoir du NFS Hit. Il y a eu 2 vidéos déjà sur Hit. Donc, je ferai une petite playlist NFS Hit. Voilà. Ça a été vite, clair, net, précis. En tout cas, on se verra pour normalement le dernier épisode de Crash Bandicoot. Espérons que ce soit le dernier. Si c'est le dernier, tranquille, je vais pouvoir faire mon repos lundi pendant 2 semaines de repos. 2 semaines, 3 semaines. Mais je pense que 2 semaines, c'est assez suffisant. Comme ça, on passera à un autre let's play à la suite de la liste. Et on verra quel let's play on fera. En espérant qu'on tombe sur un bon. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!